Ça qui fait joie du chrétien, c'est une joie qui grand, qui infini. Et ces sentiments, ça m'a partagé avec vous. C'est lui qui envahit que moi, je dis, et dans l'église, là, avec vous. Quel que soit côté capable de retrouver l'église là, là avec, parce que l'église là, c'est espace dans lequel on retrouve bon Dieu. On nous retrouve bon Dieu nous ensemble, on nous adore bon Dieu nous ensemble. Côté que m'a dit nous bienvenue dans partie ça, parce que nous ensemble nous pour aller adorer bon Dieu, nous pour aller chanter et nous pour aller entendre prédication de sa parole qui nous sera apporté par notre pasteur. En attendant que toute bagaille soit venu, frère Maxime, en nous tous ensemble contents et nous dit tête nous bienvenue ensemble dans le programme là, côté que nous pas mettre nous debout pour nous chanter ensemble, quel que soit côté où vous êtes capable de camper en signe de révérence, en nous camper et chanter à gauche déployée pour nous montrer attachement nous, pour nous vivre réalité que Dieu est avec nous, n'a ploué en chantant au numéro 50 avec notre équipe musicale. Bonne adoration une fois de plus. Bienvenue. Number 50, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel, nous avons un sauveur, nous
nous allons lire la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre de Marc au chapitre 4 et nous lisons ensemble les versets 35 pour arriver dans verset 41. Marc chapitre 4, verset 35 pour arriver dans verset 41. Titlan dit Jésus calme la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment? N'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande fureur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Parole bon Dieu en béni. Et maintenant, nous parlons en position convenable pour la prière. En pile, wash va ouler, laisse nous prier. En pile, wash va Papa nous qui dans ciel là. Nous venons ba ou gloire que ou même seul mérité et dans saint sabbat là dans jour de sainte convocation que ou t'es établi pour nous toute petite tout depuis au commencement et la prêter jour que dans l'éternité. Parce que ou c'est un Dieu calculateur et que calcul ou pas jamais fauché. Oh bon Dieu, papa nous, comment pour nous pas ta faire main? Parce que ou c'est bon bagaille. Tout ça fait bon, bien, ordonné. Malheureusement, c'est nous-mêmes qui incrédules. Qui manquait intelligence pour nous ta suivre net alcoolé dans bon sens là si nous t'es arrivé faire ça oh bon Dieu papa nous t'as senti nous correct nous t'as senti nous léger nous t'as senti nous bon net alcoolé et nous sûr que ça t'a fait plaisir parce que ou pas voulu aucun petit tout manquer droiture ou pas voulu aucun petit tout égaré, ou dévoiler tout ça qui nécessaire que nous t'es capable besoin pour nous bon net alcoolé
ou pas quitter nous manquer en rien. T'en prie papa dans prière que n'a pas adressé en 7 minutes. N'a demandé pitié. Gagne pitié pour nous Seigneur, où est faiblesse nous, où est manquement nous, où est limite nous, où est ça nous manquait. Et c'est tout ça qui permet à ce que péché couché bon côté nous. Nous conscients de oui Seigneur, mais nous manquons force. N'a supplié de grâce papa avant nous demander toute bagaille, avant que nous adressions toute complainte nous yo, avant nous porter toute fado nous yo devant. N'a pas penché sous problème ça pour nous souple et ba nous solution, ba nous la victoire. Souli, quelle victoire nous te demandons, papa. Au nom de ta toute puissance, au nom de toute grandeur, au nom de toute volonté qu'on gagne et que tout effort déployé pour nous arrêter sans manquer en rien. Ba nous, bon intelligence, l'esprit bon comprendre, la foi dans vous et surtout la force et la détermination de rester à tes pieds. Quoi qu'il arrive, Seigneur, en deux mondes qui connaît, qui convaincu, qui gagne conviction et qui pas doué ébranler, pour nous pas pencher ni à gauche ni à droite, mais pour nous garder à vous et à vous seul, Seigneur. Si nous jouons une grâce devant, ou fait ça pour nous, papa, nous bonnettes, nous bonnettes, nous bonnettes. N'a pas marché sous la spic, n'a pas marché sous corona. N'a pas marché pilonné problème yo, n'a poué yo, mais yo pas gagné point, yo pas gagné victoire sur nous, yo pas ka attaquer nous, n'a pas capable porter solution à yo. Nous pas minimiser yo non papa. Yo existé, nous wè yo Seigneur, mais nous mandé yo pour ba nous intelligence, pour ba nous clairvoyance, pour augmenter foi nous, ba nous connaissance pour nous deal avec yo, pour nous vaincu, parce que Seigneur, où t'es vainc le mal, où t'es vainc Satan, où t'es triomphateur, parce que ou animé de connaissance, parce que c'est Dieu, parce que ou était yon dans l'unité avec Papa Esprit, Seigneur, pas gagné intelligence qui dépassait, ou c'est l'intelligence de l'intelligence. Fais-nous grâce pour couvrir nos constats, non en fonction de volonté, nous. Nous n'avons pas de volonté devant toi, Seigneur. Mais que vous imprégniez petit ou yo, et particulièrement tout petit ou qui est un bon samaritain, Seigneur, imprégniez-nous. Nous dessaisissons volontairement de toute volonté humaine côté ba nous au commencement. Pour nous transférer à vous, Seigneur, pour nous dire et demander pour prendre place dans la vie, nous, pour diriger la vie, nous, pour contrôler la vie, nous, de telle sorte que nos pensées ne doivent être nos pensées, nos pas ne doivent pas être nos pas. Seigneur, nos actions ne doivent pas être contrôlées par nous-mêmes, mais que tu contrôles toi-même nos esprits. Et que nous marchons dans ton sillage, dans tes pas, et que nos actions soient réglées par toi, Seigneur, et que nous voulons arriver à cette dimension de l'apôtre qui dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi-même, Christ, qui vit en nous. Parce que nous sommes petits, nous sommes chrétiens, Seigneur, nous suivons ce mode de vie, ça. Nous voulons mener, Seigneur, t'en prie, fais-nous une grâce dans où pour vider, pour blâiller sous nous. Seigneur, ne compte pas sur nos faiblesses, nous reconnaître les limites, nous déjà. Seigneur, c'est puissance où n'a préclamé. Seigneur, nous besoin n'a cherché et qui est capable de nous cette victoire, car nous sommes à toi. Merci, oui, Seigneur, pour ce que tu es. Merci, oui, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci pour la vie que tu nous donnes.
Merci encore pour permettre que nous puissions respirer, nous puissions vaquer à différentes occupations. Nous. Merci pour le Saint-Sabbat. Merci pour ton Église, espace qu'on permet à ce que nous capables encore réunis. Non, pour nous louer, pour nous chanter pour vous, Seigneur, pour nous bonne gloire, pour nous tourner regard nous, pour nous consacrer un bon moment, un temps pour nous passer avec vous. Merci, Seigneur. N'a pas oublié, papa, pour permettre, pour voyer et pour mettre volonté la caille nous, pour nous lire parole, pour nous comprendre parole, pour nous gagner bonne volonté pour ça, Seigneur, de telle sorte que nous sommes capables d'ancrer dans vous et que ça cap passer autour de nous, dans le travail, dans la rue, dans la famille, tout ça qui n'est pas beau, Seigneur, voyez loin de nous. Et si c'est volontaire pour nous faire face avec vous, fais-nous faire face avec vous déjà en vainqueur. N'a pas prié pour toute et famille dans l'église Bon Samaritain. Particulièrement, nous avons l'habitude de prier pour des familles spéciales en fonction de lettres alphabétiques non yo. Pour week-end ça, pour semaine ça, n'a pas prié pour toute famille qui commençait par Dieu Seigneur nous gain l'islam. Ou connaît yo mieux que nous souple visiter yo de façon spéciale. Consoler yo, résoudre problème yo demeurer dans leur foyer. Seigneur, n'a pas prié en particulier pour le pasteur de l'église et famini. N'a pas prié pour nous tous qui présents dans l'espace ça. Pour nous une double portion du Saint-Esprit, clairvoyance, détermination, exempter nous du mal. N'a pas prié pour toute l'église, le Seigneur, et que pour yon grain de cheveux dans tête petite ou de près ou de loin paraché parce que yon tout précieux pour vous, Seigneur. Nos jeunes, nos enfants, dans l'église là, Seigneur, entourez yo, Seigneur, de telle sorte que et que yo pas ébranlé par rapport avec toute nouvelle que y attendez, permettre à ce que toi-même tu imprègnes dans leur esprit ta connaissance, la connaissance du temps, de telle sorte que yo aurait été attaché à vous et que nous aurait été connecté, rafraîchi. On a clôt. Comme tu as demandé à Pierre de pouvoir faire ses frères, Seigneur, permette à ce que yon lot nous checker sur yon lot, nous affermir yon lot, Seigneur, et que c'est toi-même qui prends la direction de nos esprits, de notre vie pour nous faire et pas quitter nous faire rien de par nous-mêmes, Seigneur, parce que dans nos chairs, nous sommes trop faibles et nous ne voulons pas de cette faiblesse, nous voulons ta force, Seigneur. Viens. Viens souple, viens souple, Seigneur, viens souple, viens souple, régner en maître de nos vies, de nos actions, de rentrer nous, de sortir nous, et surtout, recevoir culte d'adoration, ça, que nous avons fait monter vers vous, parce que nous avons une conviction, pardonnez-nous de péché, nous, et que tout ça que nous avons fait, nous avons dit, nous avons déjà purifié dans le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom, nous t'en prions. Au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. En pile chaîne va casser, laisse-nous prier. En pile chaîne va casser. La peine.
Amen, 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 amen. Nous sommes la prière, bon Dieu, nous sommes causés avec bon Dieu, papa, nous, c'est une belle bagaille. Eh bien, qu'on y a là, on nous fait louange, on nous piaffe, on nous danse devant l'Éternel par de beaux chants avec le groupe musical de l'Église. L'Église, bonjour. Well, this is a new experience for us all. For those of us who are in the audience, I can tell you we're short in number, but where two or three are gathered in His name, the Spirit of the Lord is here. D'habitude, when I come here, Nukone, I tell you to turn to your left and turn to your right and say, God is good all the time. D'habitude, I tell you to turn to your neighbor and say, you look good. But Mkone gen kekna nu, you're still in bed. Mkone gen kekna nu, nu gen chemise de nuit sou nu. And maybe there are some of you who are by yourself. But you can always say to yourself, I am a child of God. So anu di sa ansam, I am a child of God. I am blessed because I am a child of God. So because we are more available to do what we can, map invite kote oye, nepot kote oye, to get comfortable, because doesn't matter what's going on in the world, God will always be praised. We can always worship Him, and we are always free to do so. So we're just going to sing three songs, trois chants très simples. Our first song is going to be number 648, Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle. And we're just going to go along with that. So s'il vous plaît, campez côté de la machine, please be careful, keep driving. But wherever you are, sentez-vous libre à chanter, because God is with us. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle, oh, c'est quand
Praise the Lord, everybody. Nous vivons un moment extraordinaire. Moment côté que nous avons privilège pour nous bailler bon Dieu, louange, gloire que lui-même seul mérite. Bien-aimé, m'a rappelé nous que depuis que nous avons adoré bon Dieu, il y a quelques moments qui sont importants dans l'adoration. Et le moment qui est important dans l'adoration, eh bien, il y a un praise là-dedans. Nous d'accord avec moi. Fon bay bon Dieu gloire. Et le moment qui est important dans l'adoration, il y a un prayer là-dedans. Il faut prier bon Dieu. Et le moment qui est important dans l'adoration, eh bien, l'on vient adorer bon Dieu, il faut qu'on vienne non seulement avec cœur, mais il faut qu'on vienne tout avec l'offrande de tes mains. Ou pas venir adorer bon Dieu avec les mains vides. Ce qui est important dans l'adoration, c'est la prédication de l'évangile. Nous d'accord avec moi. Et dernier bagage qui est important dans l'adoration, et si nous avons compté, nous avons arrivé sur 4, nous avons le 5e nan qu'on y est là, eh bien, 5e nan, c'est le témoignage. We have to witness for God. We have to say what God has done for us. Vous comprenez ça, Mabdou? Lorsqu'on entend des prédications, eh bien, qu'on y est là, faut ou mettez parole là en action, en application dans la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés, sœurs et frères, et m'a rappelé nous déjà que we will go over 11 o'clock. Nous d'accord avec moi? Parce que, et jeudi à ce samedi lié, et je connais, vous êtes dans le confort de votre maison. You are in the comfort of your house, so we will take a few minutes more to share the word with you. There is a question that was asked to me as the pastor of this church, Bon Samaritain. You pose une question, you dit, pasteur, et comment pour nous faire pour que nous capables de retourner dîmes nous avec offrande nous l'église là? A sister asked us that question. Et nous te dit que nous avons répondu à une question en matin pour que nous soyons capables de dire comment pour le faire ça. Let me say something to you. You don't return your tithe and offering to the church. Ou pas avec moi. You don't return your tithe and offering to the church. You return your tithe and offering to God. It's something between you and your God. It shows how much you trust God. It shows that you recognize God as the owner of your life. Ça montre que ou reconnaître bon Dieu, c'est lui-même qui met la vie. Lui reconnaître tout, que ou montrer comment qu'on remet bon Dieu. Dimnan, lui montrer que Dieu est propriétaire. Mais offrande là, lui montrer que ou même ou reconnaissant envers bon Dieu pour tout ça, bon Dieu fait pour. I talked to the church treasurer. Moi mandé, moi dit et trésorier l'église, comment nous capable faire pour que mes frères et sœurs nous yo capable retourner dîme yo à offrande yo à l'Éternel. Et il dit moi pour semaine ça, eh bien yo capable écrire chèque yo et puis yo dépose yo mail chèque là sous adresse l'église, ou bien yo capable passer déposer chèque là dans boîte à mal l'église, parce que we have a special mailbox at Bon Samaritain. Eh bien, ou déposer la dernière, eh bien nous capable recevoir. Et pendant ce maintenant n'a travail pour que nous capable ouais si n'a installé sous compte nous, eh bien ça y aurait les cash up, et pas ça, you know what I'm talking about? Oh, cash app. Ouais, moi pas fort dans bail là. Yeah, cash app. So n'a essayé faire, we know our young people, you know, they do it very quick, so they can do that as well. So I did some research and I discovered que moun ki gen plus l'argent yo, moun ki gen plus l'argent yo, moun ki gen plus l'argent yo, eh bien yo pas nécessairement à l'église. Yo pas nécessairement à l'église. Mais yon retourne dimyo. Yon retourne dimyo. Yon bay dimyo. Moun ki gen plus kob. Yon nan moun ki gen plus kob. M'sieur rele Heinz. Nou reme ketchup Heinz. E ba vwe za. Nou pa manjou un ti pomme de terre pou nou pa met un ti Heinz sou li. All right. So Heinz, he usually return his tithe to God. M'sieur toujou bay dimni.
Et bon Dieu toujours béni, gros monsieur Sayo. Bien-aimés sœurs et frères, chers amis, en matin, je ne suis pas venu pour me parler de bagailles comme ça. However, it is important in our worship to God. Bon, moi, dis-nous que bon, moi, épidémie coronavirus, épidémie de peur. You know? Quand il y a dit pas épidémie encore, son pandémie. Eh bien, pandémie coronavirus, pandémie de peur. It is very interesting to discover that last year the flu virus, la grippe en Europe et grippe l'a tué en pile moon. En France last year grippe l'a tué en pile moon. Nous va comprendre ça m'a dit non là. Et en France grippe l'a tué 10 000 moon. En France, oui, grippe l'a tué 10 000 moun. Last year, 2019, et le mal gade sur Internet, mwen wè que the flu virus killed 34,200 people. I discovered that. Et coronavirus so far killed 11,884. Nou wè dan de samedi nou la. Yeah. So, the flu, son virus que lié l'a tué moun tout. Nous comprenons ça m'a dit non. Coronavirus l'a tué moun tout. But the thing is, coronavirus li pi contagieuse passé flu virus là. Mais m'a dit non bagay. Pas de panique. Do not panic, friends. Et m'étendez intervenant qui était passé avant mio ancien et bougé et ben li di nou que l'orgue bon Dieu dans la vie ça pas veut dire que malheur pas privé ou mais les malheurs arrivé ou connaît que bon Dieu avait ou on va attendre rien dans sa map d'eau là et gain malheur c'est seulement si bon Dieu permet li pour le rivo parce que la Bible dit que un cheveu de ta tête ne tombera sans sa permission. Bien-aimé, let me go straight to the word today where we can find encouragement for our soul. Anou al gade nan message nou matin et nap salue tout moun kap gade nou sou Facebook, YouTube, nap salue tout moun kap tande nou sou ligne nou an, eh bien Bon Samaritain Line. Et c'est pour me dire nous que hier soir we had over 48 people watching us on Facebook and we were over 18 people nan ligne nan. But by this morning m pa konn combien moun ki sou ligne nan pa vrai ça et combien moun ki sou en Facebook. But the thing is we know gen moun que ça n'a fait là, lui fait du bien au nom de Jésus. Amen. Oh yeah. Même pour un seul monde, it will worth it. OK? Même pour un seul monde, ça t'a vaut la peine. Bien-aimé, bon m'inviter nous pour nous garder ensemble avec moi dans Marc. Marc chapter 4, Marc chapter 4 verse 35. Marc chapter 4 verse 35. Marc chapitre 4 verset 35. We would need some help from technology, so I won't have to really go back and forth in my Bible. Mark chapter 4, verse 35. Mark chapitre 4, verset 35. Sou gen bibou, eh ben, passe fe yo, passe sa senti musique mwen metande until now. Ki sa l di? Li di, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Yon nan bagay ke mwen me fè, et nou kapab remarke sa nan prédication mwen ici à nan Bon Samaritain. Mwen me rete non seul histoire, ou bien mwen me rete non seul verset. Et pa vrai ça?
So, des fois, moyo important, groupe moyo important. Le texte dit que ce même jour, sur le soir, ce même jour, dans même joie, sur le soir, ça veut dire que t'es gain matin. Nous d'accord avec moi? Ça veut dire t'es gain matin. What did Jesus do during the day? Pour le capable arriver dans assoué, ça veut dire que eh bien, il était fait quelque bagaille dans matin. One thing that if you read the chapter 4 et commencement chapitre 4 là, it shows that Jesus was teaching. Est-ce que d'accord avec moi? Jesus spent all day teaching. Il fait journée là enseigner et là teaching et une façon que Jésus aimait enseigner. Eh bien, Jésus enseignait eh bien avec des paraboles. Et nous ouais, t'as gain parabole du semeur, parabole et de la graine et de s'élever. Et ben après ça, parabole. Et Jésus enseignait avec des paraboles. Parabole de la semence, parabole du grain de s'élever et parabole du semeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Jésus fin fait toute journée, hein, l'a enseigné. Il est avec mon moment. Et bon moment qu'on arrivait, l'offre nous recevoir le son, hein, l'offre nous recevoir et formation. Hein, bon moment qui arrivait. Si élève la connaît, l'élève la dans classe là, li suivent quoi? Yo bal de voix, ou bien yo pas bal de voix. Et puis, dans fin classe là, pas de examen, est-ce que l'élève ça a étudié? Élève là pas étudié, même Kayel pas ouvrir les rives la Kayel. Oui ou non? Et si donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, les Jésus fin enseigné pendant toute journée, qu'il y a un moment qui arrive, et bien Jésus dit, now it's time for exam. L'examen arrivé, c'est laisser au bras le connaît. Eh bien, est-ce que matériel là t'es rentré vrai? Est-ce que matériel là t'es fort du bien? Est-ce que foi t'es raffermi tout bon vrai? C'est ça que fait Jésus dans verset 35 là, Marc, chapitre 4, verset 35, il dit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, qui ça le dit yo? Restez avec moi, qui ça le dit yo? Passons à l'autre bord. M'espérez que ou gen et créole ou nan zo bra tête ou parce que si vous t'a mandé pour traduire eh bien passons eh bien et nous t'a traduit comment? Aidez-moi comment nous t'a traduit passons? Nous t'a dit passons en créole c'est en nous passer. What does that mean? On garde pour nous, analyser passons. Hein. Passons, nous t'a dit, c'est le verbe passé, indicatif. Ah non, il n'est pas indicatif. Elle n'est pas indicatif. C'est un impératif. Ou pas avec moi. C'est l'impératif qui est utilisé ici, un impératif. Et impératif là, il est utilisé pour donner des ordres. Ou pas avec moi. Ah, il n'est pas bon. Vous dites, nous sommes j'ai ça, l'un de l'école, hein? Impératif là, il a utilisé le pour le bail qui ça, pour le bail Lord. So Jésus bail Lord à disciple pour yo qui bon, pour yo passer. But Jésus pas utilisé deuxième personne du pluriel là, mais il utilisé première personne du pluriel là. Au lieu de dire passer, c'est-à-dire vous passez, il dit en nous passer. Et si donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Jésus mande nous pour nous faire un bagaille, Jésus ben nous garantit que là-bas avec nous, si vous amen, dit amen. Jésus dit disciple, en nous passer l'autre bord, ça veut dire que Jésus a pas avec vous. Eh bien, c'est une promesse que Jésus fait à tous ses disciples. Nous-mêmes qui vivons moments difficiles, ça y est, qu'on y est là. Nous-mêmes qui, bagaille coronavirus, ça, l'a frappé dans son bras tête, nous. Eh bien, Jésus dit, boum, dit nous matin, hein, que nous pas pour qu'on nous. Nous pas pour qu'on nous. Parce que, lui dit, voici, je suis avec vous. Et non. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ma pas avec vous, laisse ça bon, ma pas avec vous, laisse ça pas bon.
Ainsi donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jésus montait dans le bateau avec les disciples, eh bien, pour yo passer qui bon à l'autre bord. Restez ensemble avec moi. Et verset 36 là, regardez pour nous qui ça le dit, verset 36 là. Il dit, après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait, c'est-à-dire disciples, ils ont mené Jésus dans le bac là, et bien vrai, ils l'emmenèrent dans la bac où il se trouvait. Il y avait aussi qui ça, d'autres bacs avec lui. Remarquez, non seulement bac qui te gen Jésus là dedans, eh bien, te gen l'autre bac tout qui te là. Ou pas avec moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi pensais que Jésus, eh bien, li rentre dans bac la vie ou pas avec moi. Jésus, make sure que Jésus li chita dans bac la vie ou. Oh, n'est pas bon. Et make sure que Jésus li chita nan bak l'église ou. Ouais, m'ba bon. Est-ce que Jésus pas déclaré dans Jean chapitre 10 au verset 16? Jean 10 verset 16. Est-ce que Jésus pas dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie? Eh bien, il faut que je les amène afin qu'il y ait qui ça? Un seul berger, un seul troupeau. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, gon moment kap vini, les bagayes ont commencé red, les 4 marées 7 et 7 marées 4, eh bien, Jésus dit, boum, dit nous, dans l'autre bac, yo, li gen petit, li toujours, eh bien, ma mené petit, moi vini dans bac, pam, non, pour que capable gagner un seul berger, un seul tout pour si gen amen, dit amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes au verset 37, pendant que Jésus chita dans bac lia avec disciples, le texte dit que au verset 37, texte a dit que il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva qui ça? Un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Déjà, il s'éleva un grand tourbillon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mot grec par lequel on a traduit grand tourbillon, c'est le séismos. C'est le séismos. Ça veut dire qu'il s'éleva un grand séisme. Il s'éleva une grande tempête. Une tempête que disciples n'ont pas habitué avec lui. Quoique les disciples étaient des pêcheurs de poissons, quoique les disciples étaient très habitués avec la mer de la Galilée, but that one was different. Ou pas avec moi. Bien-aimés, nous habitués à toute qualité problème. Je dis, haïtien, si vous avez un problème haïtien pour vous rencontrer, c'est que le problème ça va exister. Haïtien compte toute qualité misère, but that one was different. C'est le séismos. C'est une grande émotion. Regardez, bagay tête chargé net. Et tellement tempête la terre, l'eau commençait à rentrer qui bon? Dans bateau. L'eau a rentré dans bateau. Restez avec moi. L'eau a rentré dans bateau. Bien-aimés frères et sœurs, amis qui attendent moi. Bon moment qui a privé. Faut qu'on make sure que l'eau pas rentre dans le bateau ou pas avec moi. Parce que l'eau, elle rentre dans le bateau, elle coule le bateau ou pas avec moi. Gosserie de l'eau, elle rentre dans la vie ou elle noie la vie ou. Gosserie de l'eau, elle rentre dans la vie ou, eh bien, elle fait qu'on pas qu'à vivre. Gen bon de l'eau, gen mauvais de l'eau, mais de l'eau, ça n'a pas de bon de l'eau. Par contre, non, nous, sinon, bref, de l'eau, mais. Bien-aimé, frères et sœurs, Bon dit nous bagaille. De l'eau a commencé à remplir bateau. Et l'aide de l'eau a commencé à remplir bateau. Eh bien, bagaille très difficile pour les disciples. Mais regardez bien. Tandis que de l'eau a rempli bateau et la présence de Jésus n'a pas empêché à l'eau de rentrer dans le bateau. Et l'eau aimba bon. On pense parce que ou c'est chrétien et mon pas gen problème.
ou pas c'est parce que famille ou c'est famille chrétienne qui est liée, et bien ou pas de problème. Ou pas on, oh Seigneur, oh pour qui ça va, ça, et pendant Jésus dans le bateau, de l'entrer dans le bateau. Pourquoi ça ne va pas tout là? Pendant Jésus dans le bateau, de l'eau style rentrer dans le bateau. But yet, pendant de l'eau rentrer dans le bateau, verset 38 là dit mon bagage. Gadboy qui s'est verset 38 l'a dit. Verset 38 l'a dit. Pendant que de l'eau a rentré dans le bateau, Jésus a dormi. Aïe, bah bon. Bien aimé, bien aimé. Gardez, les bagailles ont commencé à venir lourd. Les têtes ont commencé à venir charger. Et bien moi-même, m'a dit que Jésus lui-même n'a pas paniqué. Jésus a dormi. C'est dormi, Jésus a dormi lui-même. Parce que pas de tempête qui trop raide pour Jésus. Jésus a dormi dans le bateau. Et pendant que Jésus a dormi, et met de l'eau pour rentrer, les disciples ont commencé à dire à droite, à gauche, à droite, allez, descendez bas, vous n'avez pas sur l'autre, m'a dit qui est à moi. Bien aimé, les de l'eau pour rentrer dans le bateau, il n'y a pas de panique. Bien aimé, les problèmes pour rentrer dans la famille, il n'y a pas de panique. Ou pas de ça, m'a dit la matière là. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Les disciples étaient paniqués. Tandis que Jésus, il dormait. Aïmba, bon. There is nothing wrong to be afraid. Aïmba, bon, non? There is nothing wrong to be afraid. Et ce n'est pas la première fois que je dis ça ici. Pas gagner mal pour peur. Et la peur, de grands hommes ont eu peur. Mais c'est sauvé avec peur, là. Les disciples ont paniqué. Les ouais de l'eau a rentré dans le bateau. Ils n'ont pas qu'à contrôler la tempête là. Bien aimé, grand moment qui a privé. Jésus a fait la tempête là tellement vite. Raide. En façon, ou même en tant que père de famille. On est père de famille, on, ou bien mère de famille, c'est où comme. Bon, Jésus a fait perdre le contrôle. Parce que, regardez, it's not about you. It's about God. Ou pas d'en ça m'abdoula. C'est pas ou même, c'est bon Dieu qui a fait. Et bref, on va aller rapidement. Regardez pour qui ça fait. Les disciples ont paniqué. Qui ça a fait? Y a le côté de Jésus, yo. Yo réveillé Jésus, yo réveillé Jésus. Bien aimé, bien aimé. Qui donne attitude ou les bonnes nouvelles coronavirus rentré à Haïti? Ou qu'on a une femme en Haïti. Qui dernière nouvelle l'auteur de coronavirus rentré dans Florida? Qui dernière attitude l'auteur de que coronavirus rentré Broward ou pas avec moi? Qui dernière attitude l'auteur de que coronavirus rentré dans Fort Lauderdale? Ou peur, ou paniqué. But the right attitude, l'on fin peur, l'on paniqué, go to Jesus. Parce que là où même on panique, Jésus pas paniqué. Est-ce que nous ensemble avec moi? Eh bien, il allait au réveiller Jésus. Et puis, regardez comment il réveille Jésus. Dis, mais c'est ça. Regardez, panique. Quel bagage ou fait? Et faut le pardonner. Ou pas de samedi là non? Regardez. Gossez de tête chargée. Gossez de problèmes. L'on tombe là-dedans. Ou panique? Ou qu'a fait réaction que même ou même? Ou pas comprendre qui réaction faire. Regardez pour eux. Regardez qui ça dit Jésus. Regardez quoi qui ça dit Jésus. Il dit maître. Ne regardez, ça pas fort en rien que n'a péri. Il accusé Jésus de aidez non. De qui ça accusé Jésus là? Il accusé Jésus de insouciant. Hein? Qui mes amis, on dirait m'tendez, you madame qui a dit, et Marie, chérie, ou pas cœur de moi? M'sot travail, m'fin, c'est bourriqué, les m'rivent de Kaila, c'est moi qui pour faire manger, et puis qu'on y est là, pour avoir dim 10, pour avoir dim 10, ou pas cœur? Bien aimé, l'on panique, gen bagay ou fait, gen bagay ou dit, eh bien, ou ka regrette. Ils ont accusé Jésus d'insouciant. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Moi-même, ça me remarque Jésus. Et Jésus, pas même j'avais. Si on monte à bon mon pic comme ça, m'a répondu. Moi-même, m'a répondu. Et moi qui fais de l'eau après la donne, non? Et moi qui te voyais de l'eau dans le bateau,
Et puis qu'on y a pour bon gosse pizza pour dire mes soucis, d'après zoudou. Bien-aimé, ça moi avec Jésus. Jésus tellement aimé nous. Les loue petite li paniqué, les loue petite li a déréglé, a déraillé. Premier bagage qui est important pour Jésus, c'est pour le calmer. Remarquez ce que fit Jésus. Dans verset 39 là, remarquez ce que fit Jésus. Bien-aimé, bon dit nous bagage. Là avec Jésus, pas besoin de craindre mauvaise nouvelle, non, pas vrai ça. Regarde quoi qui ça Jésus fait. Dans verset 39 là. Et verset 39 là, c'est en réveillé. Il pas attaquer nèg yo non. Il pas répondre nèg yo non. Qui ça le fait? Il menaça le vent et dit à la mer, chut, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Bien-aimé, I have to speed up now. Formoutijan rapide. Bon, dis nous bagay. Et Jésus s'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. La traduction française n'est pas une traduction exacte. Et le grec ne permet qu'une traduction de un mot ou bien de deux mots. Mais français a lui-même, on connaît français à un genre élastique, et bien le bon trois mots, les deux silence, tais-toi. Mais la vraie traduction, c'est traduction créole là. Côté que créole là, du P. Ou par contre, l'on parle avec un petit monde avant, mais on dit P. Et puis si là, on dit P là. Par contre, vous comprenez ça, Abdoula, non? Bien-aimé, Jésus, regardez, bagay kap tout faux là, bagay qui trop poua. T'as bien oui? Bagay kap tout faux là, bagay qui trop poua. Eh bien, Jésus considère le comme pas rien. Quand Jésus s'adresse au vent et à la mer, le vent et la mer qui rentré dans le bateau, le vent et la mer qui menaçaient la vie des disciples, eh bien, pour Jésus, le pas rien, Jésus dit, paix là. Le vent, c'est ça. Il y a eu un grand calme. Bien-aimé, bon, dis-nous un bagaille. Les bagailles sont red pour vous. Pas paniquer. À côté de Jésus, par la prière, dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, déclare, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, et des noms l'Église, s'humilie, prie, et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies. Qui ça l'a fait? Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Le coronavirus commence à rentrer dans le bateau la vie. Le coronavirus commence à rentrer dans la famille. Le coronavirus commence à rentrer dans le state que tu vivre là. Dans le pays que tu vivre là. Pas paniquer. Seul ça pour faire réveiller Jésus. Seul ça pour faire la prière. Parce que depuis la prière avec toute force, depuis humilier ou reconnaître que ce n'est pas vous-même qui pourrez le faire rien, eh bien, Jésus a attendu, Jésus a répondu à la prière. Bien-aimés, sœurs et frères, amis qui attendent nous dans ce moment ça, permettre que moi dise, Jésus a parlé au vent. Et il a parlé à la mer, il y eut un grand calme. Et ce n'est qu'après que, moi, amis, moi, qui t'ai traduit Exode 14, verset 14 pour moi, et en créole, en créole, pas m'ché, oui. Vous connaissez Exode 14, 14, qui ça le dit encore? Restez en silence et l'Éternel combattra pour vous. Et puis, monsieur traduit Exode 14, 14. Là où le coronavirus a frappé, là où on commence à avoir des problèmes dans la vie ou des problèmes dans le foyer, eh bien, monsieur dit, regardez, restez cool. Qui ça le dit? Restez cool. Restez cool, Zamim. Restez cool. Restez cool et l'Éternel a combattu pour vous. Bien-aimés, nous servons quelqu'un qui peut combattre pour nous. Et ce n'est qu'après menacer le vent et calmer la mer, eh bien, c'est laisser à Jésus, eh bien, il checké avec Negio. Et puis Jésus dit, et dans verset 40 là, il dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment? N'avez-vous point de foi? Et je préfère la traduction de Matthieu, et côté que Matthieu, eh bien, l'a révélé, même histoire ça. Eh bien, Matthieu fait dire à Jésus,
et tandis qu'il s'adresse aux disciples, il dit, et pourquoi avez-vous ainsi peur? J'en de peu de foi. Stay with me for a second, brothers and sisters. Restez avec moi une seconde. Matthieu dit, j'en de peu de foi. Marc dit, comment n'avez-vous point de foi? But, Gade. M'gonti l'argent nan bouche mwen la, m'konnen eternel yo pa wè mwen, mais m'a monté vinn fenou. M'gonti l'argent nan poche mwen, m'tap ba chaque disciple yo $5. Nous pas comprendre ça m'a dit nous là. M'tap fè disciple yo cadeau kobe kob mwen di $5. Pour qui ça m'tap fè un cadeau $5? C'est parce que yo te gon ti foi. Yo te gon ti foi. C'est ça que fait mwen traduction Matthieu à côté Matthieu dit Jean 2 peu de foi. Parce que si yon pas de foi, yon pas t'apprêle réveiller Jésus. Are we together? Si yon pas de foi, yon t'apprêle quoi yon nan de loi. But, t'a gen yon qui met ton point de zote yon nan de loi. Aïe, pala avem matin. Pa gen yon qui met ton point de zote yon nan de loi. Bien aimé, le bagay yon red pou, le bagay yon difficile pou, l'on pa ouè devant, l'on pa ouè deye. L'on pa ge kop pou bay ti moun yo manje. L'on pa ge médicament ki pou rezout problème maladou yo. Map dou yon bagay, rete attaché ak Jésus. Soti de yo, sa de yo fe pou ou. Anye, pito se nan piye Jésus mouri. Ou a geye garanti, emye Jésus la ressuscité ou lèl vini. Tant que vous allez sortir de vous allez chercher une solution et pour ne pas jouer une solution et pour mourir loin Jésus. Les disciples avaient quand même un peu de foi. Pas qu'on sortait qui touchait gloire de leur bateau. Ils ont préféré périr dans le bateau. Mais il a réveillé Jésus. Jésus a menacé le vent et il a calmé la tempête. Bien-aimé, bon, moi, fini avec verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Les yoé, ça que t'es trop pour yoé, pour Jésus le pain. Jésus parlait avec vent, avec l'homme, et à ton petit monde qui était avec lui. Le texte dit au verset 41, regardez avec moi, qui ça le dit? Ils furent saisis comment? D'une grande frayeur. C'est regardez ça sont l'autre frère yo saisi pour yo ouais toute puissance qui est dans Jésus et puis yo dit youn ak lot yo comprendre Jésus pas t'attendre yo dit youn ak lot qui ça youn dit lot qui est ça même vent ak lan mais obéi là qui est ça Oh, bam doum bagay. Ouais, si m'te là, m'tap di disipyo, ouais, nèg sa, lèl pa li même vent ak lan, mais obéi avec liya, eh bien, li rele Jésus. Ou pas avec moi. Li rele Jésus, parce que, eh bien, le bon Dieu t'a créé le monde, Jésus était avec Dieu. Ou pas avec moi, non? Parce que dans Jean chapitre 1er, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu! Qui est ce monde ça? L'elle menace vent et puis il parle à l'homme à toute bagaille campéa. Eh bien, il est Dieu, il contrôle l'univers tout entier. Pas grand rien qui échappe à sa vigilance. Pas grand rien qui échappe à sa vigilance. Bam dou bagay, ou même qui fait face à coronavirus, ou même qui fait face à toute l'autre qualité tête chargée, ou même qui pa gen travail, ou même gade qui gen problème en de foyer, ou m'ap dou yon bagay, la prière, rele Jésus, parce que pas gon tempête, Jésus pa ka kalme. Pas gon tempête, Jésus pa ka kalme. Bien aimé, sœurs et frères, zami k'ap tande mwen a swè. Bam dou yon bagay, m'pa konnen non? Ouais, si m'de nan plas ou, m'pa t'ap panike encore. Parce que m'konne Jésus capable di coronavirus pose ti papa. Ou pas dande sa m'dou la non. Pose. Est-ce qu'on connaît un cheveu de ta tête ne tombera sans sa permission?
qu'on n'a pas besoin de sauter, qu'on n'a pas besoin de sauter. Fais bon Dieu confiance. Relais Jésus. Et une fois que vous relais Jésus, Jésus n'a jamais abandonné petit lit. Jésus n'a jamais lagé pour contour. Jésus n'a jamais quitté au marché pour contour. Vous connaissez un plus gros défi que moi-même avant nous gagné en tant que chrétien, c'est d'arriver à ce niveau de notre vie chrétienne, côté que nous acceptons la volonté de Dieu. C'est pour nous dire, Seigneur, nous connaissons tellement rien, mais moi, nous connaissons tellement cœur pour moi. Tout ça décidé dans la vie, moi. That's it. Parce que vie ça que vous vivez là en tant que chrétien, vie vous vivez kounye là en tant que chrétien, it's not your life. Ou pas de sa mabdou là. La vie que tu vis maintenant en tant que chrétien, parce que en tant que chrétien, tu as la vie éternelle. Et mais la vie éternelle là est pas où by tête ou li. La vie éternelle là, c'est Jésus qui baroule. Ainsi donc, bien-aimé, tandis que n'a fini, bon de yon bagay. Le Dieu que vous et moi nous servons, il est vivant. Le Dieu que vous et moi nous servons, il est présent. Le Dieu que vous et moi nous servons, he cares. Pas quitter personne mondou parce qu'on a de l'eau qui a rentré dans la voue, parce qu'on a de l'eau qui a rentré dans le foyer. Eh bien, bon Dieu, rejeté. Oh non. C'est le moment par excellence pour aller côté lui, pour parler avec lui, et moi sûr que l'attendez-vous. Et une fois que Jésus se lève, le vent cessera et la mer se calmera. Oh, ce midi, as we close, nous-mêmes qui attendez moins sous ligne, nous connaissons quelques difficultés que nous avons traversées. Nous connaissons un pile dans nous qui tremblé. Nous connaissons un pile dans nous. Ça ne veut pas dire pour nous pas prendre précaution. Faut nous prendre précaution, that's for sure. Mais, regardez, Pas paniquer. Gen moun nou konnen kal prete pou acheter manger. Kal prete oui, et puis manger acheter a frèm non. Manger yo pa même ka manger tout manger a vre non. Bien-aimé, vi pa avec vi pam, c'est nan mes Seigneur a ke li. As we close. Est-ce que pa ta renmè di Jésus? Gen dlo ka rentre dans la vie moi. Et de l'eau, ça a eu tout coulé. De l'eau, ça a eu tout sente. Mais à midi, ça, moi, je voulais remettre toute bagaille dans mes mains. Moi, je voulais demander autant prier. Levez-nous. Calmez vent. Calmez la mer. Et fait que nous sommes capables de traverser l'autre bord en bien. Si vous avez prier ça ensemble avec moi, je vais inviter vous, Kotoyea. Baissez la tête. Fermez les yeux. Sous dans salon la caillou ou dans chambon, c'est le moment de prier le Seigneur. Et ou même tout qui voulait mettre à genoux, eh bien on capable mettre à genoux parce que me connaît que gros vent ça, tempête ça, grande tempête ça, séisme ça qui frappe la vie ou là. Ou essayer toute qualité méthode déjà mais on pas joindre solution. Je dis à en nous réveiller Jésus ensemble, parce que Jésus est capable de calmer la tempête là. Notre Seigneur et notre Dieu, moi je vous remercie à tout cœur pour le privilège qu'on a nous aujourd'hui, pour que en dans la parole ou nous sommes capables de joindre réconfort. En dans la parole ou nous sommes capables de joindre ça que nous avons besoin pour nous traverser un moment difficile ça. Seigneur, laissez petit ou nous y est tout bon vrai. Le nous attacher avec vous. Nous pas ta doué quitter mauvaise nouvelle troublée nous fait nous peur. Parce que vie que nous vivons là, ce n'est pas vie pas nous lié, c'est vie pas que lié. Ma demande vous de grâce. Rentrez dans le bateau la vie pas moins. Rentrez dans le bateau la vie famille moins. Rentrez dans le bateau la vie chaque ancienne église, rentrez dans bateau la vie famille, rentrez dans bateau la vie chaque frère, chaque sœur moi dans l'église Bon Samaritain, dans l'église Emmanuel, et rentrez dans la vie chaque frère et sœur adventiste du septième jour dans moment ça, pour que Père,
vent capable suspend, pour que la mer capable calmer, pour que tremblement qui gagne en dans famille li capable joindre au calme et le nom de Jésus capable glorifier. Seigneur, qui est-ce mon nouyé? Oh, aidez-nous pour nous approcher nous plus près de vous, pour que nous pas ta poser même question avec disciples pour nous demander qui est donc celui-ci. Mais fait que à chaque jour nous lis parole, à chaque jour nous développer relation étroite et intime ça ensemble avec vous, pour que nous connaissions tout bon vrai qui moun koyé et pour nous continuer à remettre clé la vie nous en main. Merci, oui, merci en pile parce qu'on tendait nous et parce qu'on répond à cri que nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin du service pour aujourd'hui et que nous rappelons ce Jésus qui a pu calmer la tempête autrefois. C'est ce Jésus que recherche mon âme et votre âme en ce midi. C'est ça que nous allons chanter pour nous renouveler. Demande-nous, appelle-nous à Jésus et nous gagnons assurance de la même manière que t'écouter. Disciples qui t'a réveillé, l'a côté nous tout pour les faire nous joindre et joindre pour rester avec nous, traverser période ça avec nous comme il a pu traverser pour aller jusqu'à l'autre bord avec les disciples. Le numéro 285, c'est toi Jésus que recherche mon âme à te trouver, voilà. Mes souhaits. Je
En nous courbant tête nous pour la bénédiction. Oh bon Dieu, papa nous qui gagne tout pouvoir. Qui fait ciel et terre tout ça qui la donne et que contrôle ça pas jamais échapper dans mes. C'est dans où nous croyons, dans où nous met tout espoir nous, toute espérance nous. C'est où n'a pas adoré, c'est où n'a pas servi. C'est avec nous voulons passer toute réserve nous. Tandis que nous fin offrir un culte d'adoration que nous gagnons conviction ou accepter dans le nom de Jésus et par le nom de Jésus. Maintenant, permettez à ce que nous déplacer de ces lieux avec paix, avec grâce, avec onction de ton Saint-Esprit. Qui était dans la vie nous, dans la vie tout frère que nous yo qui attendait nous, qui a proué nous, et même à amis visiteurs que frère que nous était capable inviter pour participer dans culte qui fait pour gloire ou permettre à ce que témoignage ensuite découler. Toujours manifestation de ta puissance. En Jésus, nous te réclamons ces bénédictions. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Passez une bonne fin de journée de sabbat. Et notre plus prochain rendez-vous, c'est mercredi soir, vendredi soir et sabbat matin prochain pour un autre culte d'adoration du même genre. Bonne journée.